Dans la mesure du possible. Oui, voilà. Il y a 2 ans, ici même à Kinshasa, le président Tan, président international, intronisait solennellement notre aîné, notre ami, notre ambassadeur parmi les artistes, Papa Wemba Kobilion. Et Dieu fait toujours bien les choses. Il y a quelques mois à Kinshasa, c'est à croire que c'est un don dédié aux grands artistes de Kin, de la RDC. C'est le président Joe Weston qui a signé notre ami, ton petit frère, Kofi Olomide. C'était à Brazzaville. Alors, ce soir, nous venons de faire ce qu'il lui fallu faire pour que les choses obéissent aux principes et à la règle. Kofi est introduit dans un autre club de Kinshasa. Et le lion, c'est l'amitié. La passe, c'est le socle. Et dès lors qu'on a 2 artistes, tu es l'aîné, il suit tes pas. Tu es l'aîné dans le lyonisme, il arrive après toi, c'est ton cadet. Tu le prends par les mains et je veux que tous les deux, vous puissiez exprimer le bonheur de l'amitié. Ce que vous-même vous chantez tout le temps. Vous deux, vous êtes capables de la paix. Vous deux, vous êtes capables de susciter notre fierté en tant que lion d'Afrique, lion congolais et lion du monde. Parce que vous êtes des lions et vous n'êtes pas n'importe qui. Et aujourd'hui, nous allons servir ensemble. La devise du Lions Club, c'est « Nous servons ». Ce n'est pas « Je sers », c'est « Nous ». Et je voudrais qu'on insiste sur le « Nous ». « Nous », c'est être ensemble. Et dès lors qu'on est ensemble, on est capable de merveilles. On est des héros. Et vous êtes nos héros de ce soir. Eh bien, je souhaite que nous puissions sceller ça par une poignée de main et que les gens sachent que c'est d'abord l'amitié et de cette amitié se déclinera de la poésie, de la mélodie, au point que ceux qui aiment les pétards, les arbres, ou ceux qui n'est pas bon, ceux qui ne sont pas bons, ceux qui n'est pas bon, quand ils écouteront vos belles mélodies, ils vont tout jeter pour danser. Pourquoi pas un featuring? Donc, Kofi, merci. Papa Wemba. Oui. Voilà. Son petit frère. Et moi, je tiens à rappeler que nous sommes des Bantous et il y a le droit d'aînesse. Atozandengeneni, Koloazaka Kono. Mokondi, ça c'est Mokondi. Banda Mokondi, Tosa Tatanona Mamanayo. Nous appelons Leki, pour Leki, Ben Leki, Akoya Bokumsayo. Kouloutou, merci. Voilà, allez. Bravo.
La caméra, caméra. Voilà, c'est un bonheur pour moi de passer à Fagnon, directeur international. Je dis ceci à Papa Wemba, mon ami et frère, que le soleil brille pour tout le monde. Voilà. Nous avons eu un défilé avec toi à Poussaint. Donc, je sais que tu es dans ce lieu. Voici mon faillon. Regardez ce faillon. Et éventuellement, je te dirais que tu es mon fils, mais je ne l'ai pas encore de façon solennelle. Et ce fils-là indique beaucoup de choses. C'est aimer, c'est s'égaler. Donc, il y a un beau cœur là-bas qui m'a dit, vous voulez qu'il m'a dit que c'est l'amour. L'égoïsme, c'est d'abord l'amour, savoir aimer. C'est juste un peu. Je merci de bien que la s'il vous plaît, chers amis, hein. J'ai même mon cœur qui tremble. Parce que je sais pourquoi je suis venu jusqu'ici. C'est par amour. L'amitié, on ne trahit jamais l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Et c'est pour toujours. Et j'ai toujours eu comme principe d'aimer mon ego. Mais c'est mort, la vie aussi nous amène à comprendre beaucoup de choses. Et dans ces beaucoup de choses, on met un frein et on met un pont avec tout ce qu'on ne peut pas encore faire. Je dirais franchement, du fond de mon cœur, je renoue avec mon jeune frère, le Fionnement, aujourd'hui, grâce à vous. Je n'avais plus d'estime. Sincèrement, là, je parle avec mon cœur. Parce que un frère, quelle que soit la grandeur du problème, tu ne peux jamais amener ton frère devant un tribunal. Ça va. J'étais à genoux devant moi-même. Mais en intégrant la famille des lions, j'ai compris aussi beaucoup de choses. Maître Vincent, vous êtes notre ami. Que ce soit Kofi Olomide, que ce soit moi, c'est vous qui voulez à ce que nous devenions aussi l'ami des lions. Nous vous disons un grand, merci. Je ferai de mon mieux, je ferai vraiment de mon mieux en tant qu'aîné, je ferai de mon mieux en tant que personne physique que je suis, de ne plus avoir des idées comme j'en avais hier. Je vais laisser parler mon cœur. Et je demande pardon à tous ceux que j'avais offensé peut-être, à tous ceux que j'avais dit des gros mots. Aujourd'hui, je leur demande de m'excuser. De m'excuser parce que je ne suis qu'un être humain encore. Maître, du fond du cœur, je te dois beaucoup. Ma femme aussi te doit beaucoup. Parce que c'est grâce à toi que nous avons été aussi à un grand voyage. Nous avons effectué un grand voyage. Et c'était un voyage de bonheur.
ma femme et moi, nous étions heureux. Nous étions très heureux. Cette nuit, en rentrant à la maison, je vais lui dire aussi, je vais lui parler de tout ce qui s'est passé ici. Je m'attendais à tout sauf ça. Je savais que je venais pour te rencontrer et parler ensemble. Et j'allais aussi vous parler de cette histoire-là. Je ne parle pas avec mes lèvres, mais je parle là avec mon cœur. Aujourd'hui, j'enterre cette hache de cœur et que vive le lion. Merci. Chers amis, il n'en est pas question. Une réconciliation ne peut pas se faire de cette façon-là. Non, moi, non, m'inquiète. Je fais partie, moi, d'un club qui s'appelle Lance Club. C'est par le canal de Maître Vincent Gomez, qui est le directeur général international, que je fais aujourd'hui partie de ce grand club international. J'étais l'invité du gouverneur honoraire de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou, parce qu'il a lancé son encyclopédie de 4 tomes au Salon Congo. Je vis un texto arriver et c'est Maître Vincent Gomez qui m'invitait à le rejoindre à l'hôtel Memling, juste après la manifestation qui avait eu lieu au Grand Hôtel. Je suis arrivé en lieu du rendez-vous et ma grande surprise était vraiment tous les amis Lyon étaient à table en train de manger. J'ai fait comme eux. Or, c'était l'intronisation parce que nous avons reçu un nouvel ami dans l'Arts Club. Et c'était sa présentation au vu et aussi de tous les amis. Il me fallait accepter parce que la devise de l'Arts Club, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et n'est pas se servir. Il ne s'agit pas de la réconciliation entre Kofi Olomide et moi. Ça n'a rien à voir de bout en bout. J'ai crié haut et fort. Je ne peux pas, moi, me réconcilier avec lui comme ça, aussi facilement. Jamais de la vie. Que tous mes fanatiques s'apaisent. Que tous mes fanatiques qui soutiennent l'artiste que je suis s'apaisent. C'est vrai. C'est mon ego. Ne dit-on pas que le pardon illumine tout. C'est vrai. Je le sais. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais me réconcilier avec celui que je considère comme un vrai ennemi, on ne peut pas se réconcilier facilement comme ça. C'est dans le cadre de Lance Club que j'étais là. Et comme lui, il vient de faire partie de ce grand club international, nous l'avons accueilli à bras ouverts. L'amitié est sacrée. L'amitié est sacrée. J'ai dit merci beaucoup à Maître Vincent Gomez de m'avoir invité en ce lieu
Et merci aussi à tous les amis Lyon d'avoir accepté un nouvel ami dans ce grand club international. Bokan Satéke, toujours allé dans Kofonobi, de Kakamoui. Non, du tout. Ce n'est pas du tout. On ne peut pas se réconcilier facilement comme ça. Dans ma B.O.Y.O., ici, le cas, il y a trop. Nous ne sommes pas dupes. Ma bouche, on aurait le Kamouka facilement. Hier, c'était une grande réconciliation. Hier, le roi de la forêt, événement où il y a trois jours, mais ça qui marquait terriblement. Et concept, Nango, Bisso Oyoto, Vandeli Yango, pour que vraiment la musique congolaise aille de l'avant. Toko Bisso Kolongola, Vene Oyekotaka dans la musique congolaise. Ma petite Nanga, de la forêt, mon propre. Vous allez avoir nos calmes. Vous allez vraiment calme. Vous allez calme. Vous allez calme. Moi, je connais le joueur et son jeu. Mais il y a des jeux qui sont là. Et ça n'est pas que je suis là. Dans le bagou, on a colère, Nyonso.